Yo, voilà comment ça se passe. Bon, je vous explique. Ouais, il y a des trucs qui me font bien rire quand même dans la vie. Tout à l'heure, j'ai mis une vidéo en annonçant à tout le monde que ce qui s'est passé dans la jungle, comme quoi je suis pas mort, quoi, je suis toujours là en train de vous faire une vidéo justement et c'était pas pour vous inquiéter quoi. Donc c'est pas parce que j'habite dans le 06 que voilà, de suite c'est la fin du monde. Alors, sur ce, j'ai eu une réponse d'une nana qui m'a fait un petit commentaire que je vais vous lire. Et je pense que tous mes amis qui vont être derrière, ils vont relire, si ça veut bien se mettre en route l'internet, ils vont sûrement relire ce que je vais dire. Alors je vais bien lire ce que tu as marqué, d'accord? Parce que ça s'adresse directement à toi. Alors tu marques. On est rassuré, merci. On est rassuré, c'est clair, mais là, je te le dis franchement, Serge, vu les horreurs et les dégâts que j'ai vus aux infos, je ne me vois pas vivre dans les Alpes maritimes. Désolé. Bon. Alors moi, je vais répondre à ta question. Déjà, en un, tu fais ce que tu veux de ta vie, franchement, on s'en branle. C'est vrai, quoi. Parce que là, je vais dire, voilà, quoi, personne ne t'oblige à venir dans la région. C'est vrai que j'ai beaucoup d'estime pour toi, d'accord? Je ne vais pas dire le contraire. Maintenant, si tu as envie de rester dans ta région qui fait froid, là, je sais pas où, et ben reste dans ta région, on ne t'en force pas à venir. Tu sais, des vénales, comme j'ai expliqué, comme je t'ai envoyé un petit message tout à l'heure, là, des vénales, il y en a plein dans ma région. Mais plein! Donc, je veux dire, tu vois, c'est pas le problème, tu vois. Maintenant, tu juges une région que tu connais pas, d'accord? Parce que ce qui s'est passé, là, d'accord, ça arrive. C'est les intempéries. Maintenant, dis-toi une chose. Il n'y aurait pas toute cette pollution. Il n'y aurait pas tout ce bordel là de. C'est vrai, parce que tout vient de la pollution. Et puis encore, hein? Donc, et puis c'est le temps. Le temps, qu'est-ce que tu veux? C'est naturel. Aujourd'hui, c'est les Alpes-Maritimes. Demain, ça sera peut-être ta région. D'accord? Qui sera touchée par la neige ou par le verglas ou je sais pas quoi. Voilà, ça arrive dans toutes les régions. Alors, dire une sottise comme ça en me disant ouais, je viendrai jamais vivre dans ta région, mais viens pas vivre chez nous, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Tu crois que ça me dérange, moi, que tu viennes pas chez nous? Des nanas comme toi, il y en a plein dans ma région. Il y en a plein. Et il y en a tellement que tu serais même, toi, tu serais même dans la région, je te dirais franchement, tu serais anonyme. Peut-être que dans ta région, tu passes différemment parce que. À écouter certains mecs qui t'envoient des messages et tu mets une photo, ouais, t'es comme ci, t'es comme ça, blabla, ils sont à tes pieds. Moi, je te dis franchement, dans ma région, tu serais bénin. D'accord? Alors, je t'en veux pas. Tu joues un peu à ta blonde, c'est cool. Je te remercie. Merci de te rassurer comme quoi tu es vivant. Je te remercie aussi, c'est sympa. J'aime bien ton humour. Mais il y a des fois, franchement, tu te comportes comme une blonde, quoi. Je pensais quand même, toi, que tu étais. Plus intelligente que ça, quand même, toi. Encore une fois, je te le dis, je t'aime bien, toi, mais là, tu vois, il y a des fois où tu essaies de te justifier sur des choses. Tu veux rester. Reste simple, toi. Ta vie, elle est bénin aujourd'hui. C'est ça que tu comprends pas. Ta vie, elle est bénin et tu veux pas la changer parce que tu sors avec un bourgeois et ta vie, elle est juste autour de la thune. Maintenant, je te juge pas. Je sais très bien, tu vas me répondre une connerie à deux balles encore pour essayer de te justifier ceci, cela, mais tu sais très bien qu'au fond de toi, j'ai raison sur tout ce que je dis. Voilà. Maintenant, il n'y a pas que ton image qui compte, il y a ce que tu as à l'intérieur, et ça, je te l'ai déjà dit. Mais ça, t'arrives pas à te le mettre dans ta tête, parce que tu penses mal. Voilà. Je t'aime bien, je t'ai déjà dit, je t'aime bien. Mais crois-moi que je te jugerai tout le temps. À chaque fois que tu diras une connerie, je te jugerai maintenant, tu vois? Parce que tu juges un endroit que tu connais pas, ben moi je vais te juger aussi. Tu comprends? Moi si je suis dans le 06, c'est que moi, la région elle me plaît. Il fait beau, on a la montagne, on a la mer, d'accord? Il y a des endroits qui sont super agréables dans la région. Ne juge pas une région que tu connais pas. Ce qui s'est passé, les intempéries, c'est partout en France. C'est pas que ici, d'accord? Ça arrive.
Informe-toi. Les impôts, c'est fait pour ça, comme tu me dis. Aïe. Il pleut, il y a des bagnoles qui sont foutues en l'air, il y a 6 morts, aïe. Mais, hé, oh, regarde le tremblement de terre qu'il y a eu au Japon, là. Il y a eu je sais pas combien de milliards de morts. Et là, tu vas dire, bah, je vais pas vivre là-bas. Mais ça arrive n'importe où. Alors essaie de réfléchir un peu quand tu dis des choses, s'il te plaît, d'accord? Merci beaucoup. Franchement, là, tu vois, bon, voilà comment ça se passe quand tu as quelque chose à dire à quelqu'un. Moi, je te le dis. Réfléchis quand tu parles, s'il te plaît, d'accord? La région du 06, excuse-moi de dire ça, c'est une région qui est très belle. Voilà. Maintenant, tu restes dans ta région si tu as envie, j'en ai rien à branler. Allez, tchuss.